sur le nouveau DLR 41, qui est décliné en deux versions, une version course croisière et une version typée régate. Sur la croisière, déjà de nombreux aménagements, donc DLR n'a pas versé dans trop d'optimisation pour la performance pure. Donc on a des boiseries, de nombreux rangements, des selleries de qualité avec des mousses épaisses, des mains courantes accessibles que je sois assis ou debout, de la luminosité, de nombreux hublots ouvrants pour l'aération. Donc rien n'a été négligé pour la croisière et on garde un bateau avec un déplacement raisonnable, des grandes surfaces de toile, on est performant même dans le petit temps. Le mètre beau de ces bateaux-là est toujours plus étroit que la moyenne, donc au détriment forcément du volume intérieur, mais avec un passage dans la mer et une capacité à faire du prêt reconnue, quoi. Là, dans la version course croisière, a une table de cockpit fixe, alors que dans la version régate pure, on a une table escamotable ou pas de table du tout. Et grande nouveauté chez DLR, on a un tableau arrière basculant. Donc ce tableau arrière basculant permet un meilleur accès donc au ponton ou au mouillage. Et tableau arrière fermé, donc c'est plus sécurisant quand on emmène des enfants, etc. Plus confort du barreur, on a des sièges intégrés dans ce tableau arrière. DLR a déposé de nombreux brevets, en particulier la porte de descente télescopique, indexable à différentes hauteurs. DLR est très vigilant à la répartition des poids. Donc il n'y a pas de gros volume dans les extrémités. Il y a des rangements aussi assez bas en centre de gravité. Toutes les batteries sont centrées au milieu du bateau. Après, sur ce bateau-ci, on a une version très intéressante d'aménagement. Dans la gamme 41 pieds, systématiquement on demande 3 cabines doubles. Mais les propriétaires naviguent assez rarement, en fin de compte, à 6 voire 8 équipiers. Donc, dans cette version-là, on a 3 cabines doubles, mais la troisième cabine double est convertible en local technique. Et donc, on y accède par le grand cabinet de toilette. Donc, on cumule, je dirais, des avantages, tous les avantages sur cette version-là. On a le grand cabinet de toilette avec douche séparée. On peut accueillir quand même 6 convives, voire 8. Et on a une cabine convertible, donc quand on est, je dirais, hors grande saison, on peut avoir ses vélos, ses voiles supplémentaires, tout son petit matériel pour la navigation hauturière.